La Fédération ivoirienne de volleyball a un nouveau partenaire pour la promotion de cette discipline en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ambassade d'Allemagne qui a offert un lot de matériel sportif à la Fédération. Le gouvernement allemand et aussi le ministère des Affaires étrangères allemand et des associations sportives en Allemagne, c'est une bonne tradition d'avoir beaucoup de programmes avec nos partenaires dans le monde entier. 24 ballons, dont 12 de volleyball classique et 12 de beach volley, 4 filets et l'équivalent de 2 terrains de beach volley ont été remis au Comité national olympique. Le CNO s'est chargé à son tour de les remettre à la Fédération ivoirienne de volleyball. Et notre politique actuellement, qui consiste à développer le volleyball au niveau des jeunes, au niveau de la Côte d'Ivoire, donc commence à apprendre et il se trouve que nous avons beaucoup de jeunes qui sont déjà pratiquants et nous n'avions pas suffisamment de matériel pour satisfaire la demande. Je crois que cela va nous aider à résoudre, en partie en tout cas, ce problème-là. L'ambassade d'Allemagne ne s'est pas limitée à ce don de matériel. Depuis le lundi 21 octobre 2013, un expert allemand, Karl-Heinz Kohl, forme les entraîneurs ivoiriens au stade Robert Champroux de Marcoury.